gens sur la vidéo. Aujourd'hui, on est sur la présentation des CD. Le plus simple consisterait à lui demander que Cécile ait été présenté devant lui. Il est présent. Est-ce qu'il reconnaît effectivement que Cécile, ses armes ont été retrouvées à son domicile? Est-ce qu'il le reconnaît? Vous reconnaissez Cécile, monsieur Jean-Marie? Dit que je ne répondais pas aux questions. Merci. Ils vont toujours continuer à acter au primitif et le processus en cours. Merci. Oui, maître en cours. Oui, c'est vous, si vous êtes. On n'a pas bien entendu, mais je voudrais quand même remarquer que les armes qui nous sont présentées ont été obtenues à l'occasion des perquisitions effectuées et donc par conséquent au domicile de l'accusé. Merci. Monsieur le procureur général, au dossier de la Cour, il est également fait mention des contacts téléphoniques entre l'accusé Jean-Marie Michel Mokoko et certaines personnes, parmi lesquelles Stéphane Ravion, Monsieur Fayol et autres. Est-ce que nous avions demandé que les services qui ont exploité ces communications puissent révéler à la Cour ce qu'il en est, le produit de leur exploitation? Est-ce qu'ils sont présents dans la salle, monsieur l'avocat général? De monsieur le procureur général. Et c'est vous de la DGST. Monsieur le Président, nous estimons que par rapport à cette préoccupation, le colonel Atipo, est-ce qu'il est reparti, est-ce qu'il est parti, il est encore dans la salle, c'est lui qui nous donnerait une bonne précision par rapport à cet élément communicationnel. Est-ce que le colonel Atipo est dans la salle? Monsieur Jean-Marie Michel Mokoko, mettez-vous d'abord de côté. Mettez-vous d'abord de côté. Asseyez-vous par là. Merci. Vous pouvez vous présenter à la barre, s'il vous plaît. Je suis le colonel Atipo Itoubeli, directeur départemental de la surveillance du territoire au CRIM. Je vais porter une précision parce que ça va surprendre d'être dans la salle. Pourquoi le directeur départemental de la surveillance du territoire au CRIM se trouve ici? Mais c'est parce que tout simplement, lorsque l'enquête avait commencé, à cette époque, j'avais une autre fonction. J'étais le directeur des services intérieurs. Et c'était en cette qualité que j'étais enquêteur principal. J'ai une autre fonction. Présentement, je suis le directeur départemental de la surveillance des droits pourris. Effectivement, on ne vous entend pas à votre qualité de directeur départemental, mais en fonction de ce que vous avez été hier. Vous avez eu en charge ce dossier et vous avez également exploité les communications entre l'accusé Jean-Marie Michel Mokoko et ses correspondants extérieurs dans l'organisation de ce complot. Pouvez-vous édifier la Cour sur l'exploitation des éléments que vous avez eu à rencontrer, à obtenir? Là-dessus, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au cours de cette enquête, les services étaient en possession de renseignements sur lesquels le général Jean-Marie Michel Mokoko
utiliser un numéro RDC. Et ce numéro, je ne l'ai pas en tête dans le dossier, vous allez le trouver dans le dossier, ce numéro. L'exploitation de ce numéro nous a amené à nous rendre à Kinshasa pour que nous puissions avoir les relevés téléphoniques dans une période donnée. Mais ce qui nous intéresse, ce qui nous a intéressé, c'est la période du 5 mars au 10 avril 2016. Et nous avons eu donc ces relevés qui sont aussi dans le dossier. Mais il se trouve que, sur la base d'une information qui faisait état de ce que le général Jean-Marie Moukoko était en complicité avec certain Stéphane Ravion, qui se trouvait à Libreville, nous avons aussi cherché à vérifier des informations de ce côté-là. Là-dessus, nous sommes tombés sur un procès verbal des amis du service, comment on appelle ça, judiciaire du Gabon, le procès verbal de Éric Berardino. De qui? Éric Berardino. Parce que pour bien comprendre l'affaire de la des communications, il faut partir de là. Il faut partir de l'affaire de Éric Berardino. Dans le procès verbal d'Éric Berardino, il déclare la chose suivante. Que lui avait été contacté par Stéphane Ravion se trouvant à Paris, lui demandant de l'accueillir parce que lui comptait venir à Libreville. Éric Berardino ajoute que lorsque Stéphane Ravion est arrivé à Libreville, c'est lui, Éric, qui l'a hébergé chez lui, ce qu'il a hébergé à son domicile, jusqu'à un certain temps. Éric ajoute qu'à partir du 17 mars 2016, il avait décidé d'aller loger Stéphane Ravion à l'hôtel Royal Table de Libreville. Mais qu'en fait, cela, que Stéphane lui avait sollicité deux choses. Premièrement, il lui avait demandé de lui trouver un véhicule pick-up de marque Toyota. Deuxièmement, Stéphane Ravion demande à Éric Berardino de lui fournir une attestation lui permettant de faire venir le matériel sophistiqué de communication de marque Turaya. On va se poser la question, pourquoi il demandait à Éric Berardino l'autorisation? Mais c'est tout simplement parce que Éric Berardino était le responsable d'une société appelée ND Mobile Gabon. Du secteur des communications. Donc c'est sur cette base-là que l'avion demande à Berardino de lui fournir une attestation pour lui permettre de faire rentrer le matériel sophistiqué de communication. Toujours dans ce pays, Éric a dit une chose assez intéressante. L'enquête. Cette visite, quand il est un nom de visite à Ravion à l'hôtel, il a suivi une communication entre le général Jean-Marie Michel Moukoko et Stéphane Ravion.
et que cette communication s'est faite au moyen de téléphone satellitaire. Il a précisé que c'était des tuyaux. Alors, je m'arrête là à ce niveau. Nous avons, au niveau de l'enquête, cherché à vérifier les déclarations d'Éric. Il dit qu'il a lu, il a suivi une communication. C'est vrai qu'Éric n'avait pas précisé la date à laquelle cette communication avait eu lieu. Mais ça se passe au mois de mars, parce que, souvenez-vous, je vous ai dit, monsieur le président, que Éric était logé à l'hôtel Royal Palm du 17 mars jusqu'au 29 mars. Donc, monsieur le président, nous avons voulu vérifier les informations d'Éric et nous avons regardé en ce moment l'exploitation du relevé d'appel, le numéro FDC utilisé par le général Moukoko. Et lorsque nous sommes mis à exploiter ces documents, nous nous sommes rendus compte que le 22 mars, il y a eu une communication du numéro Iridium utilisé par Stéphane Ravion. Ce numéro, je ne l'ai pas en tête, il s'agit dans le dossier, vous allez retrouver le numéro dans le dossier. Le numéro Iridium utilisé par Ravion, vous allez le retrouver dans le dossier. Donc, nous nous sommes rendus compte que le 22 mars, Stéphane Ravion a effectivement appelé le numéro FDC utilisé par le général Moukoko. Nous nous sommes rendus aussi compte que le 23 mars 2016, Éric Donadio a appelé pour la deuxième fois le général Moukoko à partir du numéro FDC qu'il utilisait. En ce moment-là, nous avons compris, monsieur le président, que les déclarations d'Éric se confirment. Quand il dit qu'il avait suivi la communication entre Stéphane Ravion et le général Jean-Michel Moukoko. Et ça, techniquement, ça se vérifie. Ça est dans le dossier. Techniquement. Ça est dans le dossier qui est à votre possession, monsieur le président. Eh bien, en ce qui concerne d'autres communications, je vous ai parlé du 22, du 23. Le 24 mars 2016, nous nous souvenons. Le général Jean-Marie Mouchet Moukoko avait fait une déclaration d'appel à la désobéissance le 24 mars. Qu'est-ce que nous constatons? C'est que le même 24 mars, il y a eu ce que nous appelons un croisement d'appels, l'appel croisé entre, je parle du 24, il y a eu des appels croisés entre le général Jean-Marie Michel Moukoko, Stéphane Ravion, Jean-Renaud Fayol, et Pascal Michelin. Là, nous sommes le 24. Et le même 24, il y a eu une communication entre Stéphane Ravion, ça c'est le 24 l'après-midi aux environs de 16h. Une communication entre Stéphane Ravion et le pasteur Ntoumi. Le 24. Le 25 mars, cette fois-ci, c'est le pasteur Ntoumi qui fait un SMS à Stéphane Ravion. Voilà, à ce niveau, je peux m'arrêter là, si il y a des questions qu'on peut poser. Là, j'ai essayé de vous faire le développement sur la téléphonie. Je les appelle, monsieur le président. Et là, s'il s'agit de contact avec Stéphane Ravion et Fayol. Mais en dehors de Stéphane Ravion et Fayol, il n'y en a plus d'autres.
En ayant sur le numéro RDC utilisé par le général Jean-Marie Michel Moukoko, oui, retrouvé dans l'exploitation les appels de son épouse. Madame Moukoko n'est sous. Il y a eu des communications entre le général Moukoko et son épouse, Madame Moukoko n'est sous. Il y a eu des communications entre le général Moukoko et son avocat Norbert Kiko. Ça sont les communications que nous avons. Et là, je parle du numéro, les communications qui ont été faites à partir du numéro RDC utilisé par le général. Et vérification faite, ce numéro était bel et bien utilisé par M. Jean-Marie Michel Moukoko. Monsieur le Président, dès lors qu'on trouve les communications entre le général Jean-Noël Michel Moukoko et son épouse, dès lors qu'on trouve les communications entre le général Jean-Marie Michel Moukoko et son avocat, parce que tout le monde sait que Norbert Kiko est son avocat, et effectivement, nous avons conclu que ce numéro était bel et bien utilisé par lui. Merci. Monsieur le procureur général, avez-vous votre question? Pas de question. Entièrement satisfait par les déclarations du témoin. La partie civile a-t-elle des questions? Est-ce que le colonel, c'est ça, peut nous dire, est-ce qu'il connaît en tant qu'enquêteur le contenu de la conversation ou des contacts téléphoniques qui se sont passés, comme il dit, entre Ravion et le pasteur Tony. Vous avez compris la question? Merci. Le contenu de ce message, il y a eu, comment on appelle, une transcription. En fait, dans cette conversation, Ravion était en train de demander à Anthony, d'une part, voilà, il disait que de se mobiliser. Il disait que il avait prédisposé du matériel à la frontière entre le Congo et le Gabon, notamment dans la localité gabonaise qu'on appelle, je crois que c'est Tchibanga. Il disait dans sa communication qu'eux, ils étaient en train d'entreprendre, ils avaient positionné le matériel aussi, une radio à Pointe-Noire et une deuxième radio à Brazzaville, qu'ils avaient mis à la disposition de les moyens tchouaïens, les moyens de communication tchouaïens. Voilà à peu près le contenu. Mais en fait, il était en train de demander à Ntumi de se mobiliser. Parce que le message d'Ntumi qui le renvoie le lendemain, le 25, effectivement, tu lui dis, nous sommes déjà mobilisés dans le message. Est-ce que dans les mêmes contacts, n'est-ce pas, entre Ravion et Tony, est-ce que Ravion, plutôt Tony, à cette occasion, dit à Ravion que par rapport à l'appel à la désobéissance, le peuple descendra d'abord dans la rue et nous taperons après. Pour vous qui avez donc mené ces enquêtes-là, parce que cela ressort des PV et c'est des pièces du dossier. C'est exact. Vous confirmez cela? C'est exact. Ok, ben, j'en ai terminé. Et plutôt, dernière inspiration. Est-ce que vous aviez connaissance également, vous, colonel Atipo, de ce que
l'appel à la désobéissance devait être relayé par les radios extérieures, et si oui, lesquelles? Si d'abord une radio locale, puisque vous avez parlé des, vous voyez, radio ici, donc une radio locale, puis radio étrangère, notamment RDC. Là aussi, c'est un élément qui ressort des pièces du dossier. Et oui, dans cette conversation, il avait été fait état de ce que c'est la radio au Capi qui devait faire le palais et une certaine radio qu'ils appelaient FM Poivre. Donc nous n'avons pas pu FM Poivre, nous n'avons pas pu localiser où est-ce que se trouvait cette radio FM Poivre. Au moins, il y avait une radio, il y avait la radio au Capi et la radio qu'ils ont dit FM Poivre. Ok. Merci. Ok, général n'a plus de questions, n'a pas de questions. Bien, veuillez vous retirer, monsieur Atipo. Bien, monsieur le procureur général, nous avons ainsi exploité les éléments à notre disposition. Le parquet général a-t-il d'autres observations? Monsieur le président, messieurs de la Cour, après cette audition des témoins, le ministère public pense qu'il soit nécessaire de donner à l'accusé Jean-Marie Michel Moukoko lecture du procès-verbal organisant ou faisant constater la confrontation, sa confrontation avec monsieur Moudilou. Si vous ne pouvez pas vous retrouver, étant entendu le gabarit du dossier, nous avons quelques séquences de ce procès-verbal. Si je peux me permettre de vous en donner lecture. Vous en avez à la pièce 104, 7e alinéa de cette pièce. Moudilou dit ceci. Les rencontres à Paris avec le général Moukoko pour mûrir cette idée se sont effectués avec les mercenaires français de la tendance de Bob Denard. Les nommés François Gazé, Jean-Paul Ney et un prénommé Frédéric. En effet, ces mercenaires qui estimaient avoir des comptes à régler avec le président Sassou en ce qu'ils s'estimaient lésés. Après l'avoir aidé à se rétablir au pouvoir en 1997, n'ont pu trouver leur récompense à leur juste valeur et que donc, à l'image de Comorex, voulaient le renverser. L'idée de nous faire filmer était soutenue par ces mercenaires qui affirmaient que pour tout ce qu'ils faisaient, ils devaient procéder ainsi. Mais nous étions loin, c'est toujours Moudilou, mais nous étions loin de nous imaginer que cette vidéo pouvait être diffusée et rendue publique de la sorte. Je m'imagine que c'est le mercenaire Jean-Paul Ney qui s'est fait prendre à Abidjan pour une situation similaire qui a rendu publique cette vidéo, ou mieux, l'aurait monnayé auprès des organes de presse pour se venger de ses partenaires. L'expérience que devait apporter le général Moukoko était celle liée à sa qualité de militaire, connaissant le milieu politique et militaire, et qu'à ce moment, son apport serait nécessaire dans la mise en place du projet que nous avions. Il faut bien qu'on se demande quel projet. En ce moment, il n'était pas encore indiqué que c'est lui qui devait succéder au président Sassou. Vous aurez, en pièce 110, confrontation Jean-Marie Michel Moukoko, Moudilou Gilbert. Moudilou,
L'évocation de ces faits consiste à renverser les institutions au cabinet de consistant. À renverser les institutions, c'est donc fait au cabinet de Maillet avec le général Coco. C'est déroulé 3 à 4 fois du moins au cours de son séjour à Paris, puisqu'il était venu à Paris, non pour les papiers de sa fille, mais pour le projet que nous avions déjà élaboré. Réponse de Jean-Michel Marine Coco, je maintiens et je confirme que toutes ces séquences sur la vidéo se sont déroulées le même jour au cours de l'unique fois que nous nous sommes rencontrés et nous sommes vus avec ces personnes. J'ai joué le jeu parce que cette affaire qui avait l'air amusante devait malheureusement tourner, devait malheureusement mal tourner puisque par la suite j'ai été menacé de mort par mon interlocuteur qui me disait je peux t'abattre. Toujours Jean-Marie Michel Moukoko, j'ai fait le discours contenu dans la vidéo d'une manière spontanée et je n'avais pas un support écrit que j'ai lu. On l'a vu hier, il n'avait pas de support écrit, il a fait sa simulation sans qu'il y ait besoin de ce support écrit. C'est passé à la vidéo hier. Et c'est ce qui ressort effectivement de sa déclaration dans ce procès verbal. Moudilou, j'avais acheté ce billet à la suite de l'invitation que j'avais envoyée au général Coco pour approfondir notre réflexion sur la manière de changer les institutions députées à Abidjan. Et là, le juge d'instruction avait fait la mention suivante. Moudilou refuse de citer les noms des chefs d'État et des industriels qui avaient accepté de le soutenir et de l'aider dans le projet de changer les institutions au Congo. Moudilou, M. Moukoko n'était pas venu à Paris pour régler les problèmes administratifs de sa fille. Il était venu à Paris pour un but, celui de préparer le projet de changer les institutions du Congo. On est toujours dans la pièce numéro 110. Moudilou toujours, en dehors de Maître Meyer qui nous recevait dans son cabinet, nous discutions aussi avec Jean Cazé, Jean-François Cazé et Jean-Paul Ney, et qui eux sont des mercenaires. Moudilou. Oui, M. Michel Moukoko savait que Jean-François Cazé et Jean-Paul Ney étaient des mercenaires. Nous étions tous conscients du but ou de la raison pour laquelle nous nous réunissions. Et lorsqu'on continue, Moudilou, procès verbal, première comparution. Vous l'aurez à la cote 344. Je reconnais les faits consistant à l'infraction liée à l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et non à celle liée à la détention illégale d'armes de guerre et munitions. Ce qui est vrai, c'est que quand nous avons suivi la lecture de l'arrêt de renvoi, effectivement, Moudilou n'avait pas été renvoyé des fins de cette poursuite. Détention illégale d'armes de guerre. Il s'en est expliqué. PV de comparution, PV numéro 4, quatrième comparution, donc Jean-Marie Michel Coco, cote 343. Tout est au dossier, cote 343, SIR sur interpellation-réponse. La deuxième fois que je me suis vu avec M. Moudilou, c'est quand nous nous étions rendus au cabinet de Maître Meyer. Et à l'occasion, j'ai été filmé. Depuis ce moment, j'ai pu poser d'autres actes similaires ou allant dans ce sens. SIR,
Le 24 mars 2016, contrairement à ce qui a été publié sur le net, j'avais fait une déclaration pour rendre public. Il y a eu des pointillés au niveau du procès verbal, je n'ai pas eu la suite de l'idée, et ainsi de suite. L'accusé Moukoko étant présent dans la salle, peut quand même nous faire l'honneur de se présenter devant le micro et de nous dire que oui, ce qui est consigné dans le procès verbal ne l'est pas en vérité, ou c'est pratiquement quelque chose d'imaginaire, une imagination de l'esprit. Accusé Jean-Marie-Michel Moukoko. Vous avez suivi le procès verbal de confrontation avec Maudilou. Je ne fais aucune déclaration conformément à l'attitude que j'ai déjà précisé plusieurs fois ici. Merci. Monsieur le Président, à chaque fois, vous ferez toujours acter au primitif pour que cela soit évidemment compris. Que cela soit acté au primitif. On n'a même plus besoin de le rappeler, monsieur le procureur général. Ce qui est constant, les PV qui sont dans le dossier sont signés de l'accusé. Donc, qu'il parle ou non, nous avons ces déclarations dans les procès-verbaux et l'enquête préliminaire et l'information judiciaire. Merci. Plus d'autres observations. Plus d'autres observations. Bien. La partie civile a des choses à dire? Pas d'observation? Simplement, je me bornerai non pas à lire les déclarations de la cuisine faites devant le juge d'instruction, comme l'a fait, n'est-ce pas, le procureur général, mais je me limite tout simplement à faire un renvoi à la Cour qu'en outre de ce qui a été dit et lu, j'allais dire, la Cour dans son délibéré pourra également s'appuyer sur la cote 253 par rapport à la reconnaissance des déclarations telles que lues par monsieur le procureur général. Monsieur le Président, c'est l'observation que je venais à faire. Et ceci, plus précisément, à la deuxième page du procès verbal d'interrogatoire de troisième comparution. Merci. Merci. Monsieur le procureur général, ce débat aurait dû s'éterniser si et seulement si l'accusé avait résolu de répondre aux questions, s'il était contradictoire ici devant la barre. Mais la Cour, l'accusé nous l'ayant fait, la Cour constate dans la lecture des procès-verbaux contenus dans le dossier, à la diffusion de la vidéo et à la production des scellés, à l'audition de quelques sachants devant la barre, la Cour estime que le débat est suffisamment avancé qu'il peut être court et passer par voie de conséquence à l'étape de réquisition et plaidoirie, puisqu'aucun élément nouveau n'apparaît ici. À ce sujet, le ministère public a-t-il des observations? À ce moment, le ministère public, après concertation, a pensé que nous pouvons aller droit aux réquisitions et plaidoiries, sauf à observer 5 ou 6 minutes de suspension d'audience.
les avocats de la partie civile, est-ce qu'ils sont disposés? Qui sont proposés par Monsieur le Procureur Général, s'il vous plaît. Bien. La journée de demain est fériée. C'est le 8 mai, dans le 9, je dis mai. Pour ceux qui vont à l'église, ils doivent aller adorer leur Seigneur. Parce que c'est ce jour-là qu'il est monté au ciel. Et nous devons respecter les philosophies des uns et des autres. Et cette date est reconnue. C'est comme une date fériée en République du Congo. Il va avoir des conséquences. Nous allons retenir la journée de vendredi pour les réquisitions et plaidoiries. Objection? Pas d'objection, Monsieur le Président. Bien. L'audience de ce jour est suspendue pour reprendre vendredi à 10h. La cour!